Des dossiers sur vous, ouais. Et je vous ai entendu en parler même à la radio, oui. Où vous dites que c'est quelque chose qui vous procure des émotions incroyables. La truffe, la mélanosporum, la truffe du Périgord, comme oui, on dit. Oui, je sais sur quel dossier vous essayez de m'emmener. Je vais le répéter ici, puisque moi j'ai lu un livre, ça existe, c'est pas que je suis folle. Je crois que j'ai éprouvé, la première fois que j'ai mangé de la truffe, un orgasme culinaire. Et j'ai lu dans un livre, après, une sexologue qui concernait tout un chapitre sur l'orgasme culinaire. Magali Crozet-Calisto. Exactement. Hein, eh bien, donc, je crois que ça existe. Moi, je l'ai vécu. Vous voyez, vous l'avez vécu, Emmanuel Rubin, vous qui êtes au restaurant midi et soir, jamais, ça existe, moi, l'orgasme culinaire. Moi, je l'ai vécu. Et les sexologues s'opposent. Certains disent qu'on est proche, d'autres non, parce que t'as pas le sentiment de l'abandon, de la perte de toi, ça prend pas tout le corps. Non, il est frigide de la cuisine, c'est ça, en fait. Moi, je sais pas la...